tout le monde, ici Capitaine Flamme. On se retrouve aujourd'hui pour le setup de la Skyline GTR, donc spec 2 de 94. Donc je vais vous la faire voir en N400 en course tendre. Donc on va faire un petit tour sur la piste et on se retrouve tout à l'heure pour le setup. Hauteur 130 et un peu plus haut 140 derrière, donc hein, pour bien stabiliser et qu'elle puisse quand même être assez maniable. Voilà, 130, donc un peu plus haut derrière pour qu'elle soit stable aussi. Voilà. Alors niveau de la fréquence naturelle, 1,77 à l'avant, un peu plus dur derrière, 1,95, donc un hein, pas trop souple non plus, hein, sinon elle sera instable. Donc 1,77 là reste maniable, elle tourne correctement, donc ça va. Donc pas trop dur non plus, hein, sinon elle tournera mal. Donc, et comme je disais, 1,95, donc hein, voilà, pas trop souple non plus, sinon en entrée de virage, voilà, elle glissera. Donc voilà, 95, ça va. Au niveau de la barre anti-roulis, donc 9 et 9, assez dur, voilà. Voilà, 9 maxi, hein, mettez 9 et 9 maxi, hein. Vous pouvez mettre 8-8 aussi, c'est pas trop mal. Donc au niveau de la compression, 62 à l'avant, 63 à l'arrière. Voilà, donc pas trop dur, ni trop mou, hein, voilà, comme ça c'est pas trop mal. Et au niveau du rebond, donc 93 et 94 à l'arrière. Au niveau du carrossage, donc 3 pour le grip à l'avant et 3,5 à l'arrière. Niveau de l'alignement, donc moins 0,10 pour avoir un peu de grip au virage et plus 0,18 pour la stabilité. Voilà. Alors au niveau du DGL, donc moi j'ai mis 20 à l'avant, 15 à l'arrière pour éviter le survirage, hein, dans les entrées de virage, donc 20 devant, un peu plus haut on couple et 15 voilà, un peu moins. Donc au niveau de l'accélération, pareil, j'en ai mis un peu plus devant en sensibilité et 15 à l'arrière, un peu moins. Et au niveau des freins, donc en sensibilité de freinage, donc 10 et un peu plus incisif à l'arrière, donc 9 en sensibilité de frein. Et donc avec voilà, une boîte inversée, hein. Voilà. Voilà, donc une voiture voilà, c'est plaisante, hein. Elle n'est pas facile, hein, quand même à conduire, je trouve, hein. Elle manque un peu de grip, je trouve quand même, hein. Voilà, sinon c'est une voiture plutôt amusante à conduire. Moi j'ai bien aimé, donc voilà, c'est pas la plus performante, mais bon, elle est dans la bonne moyenne, je trouve. Donc voilà.
voilà, une voiture quand même plutôt sympa à conduire. Donc bah, je vous dis à très prochainement sur ma page YouTube setupgtsport.fr. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Bye.